quotidien, ça pourrait être un peu. Ouais. C'est peut-être plus rigolo, je pense. Mais c'est sûr, alors ça, c'est sûr que ce serait bien plus marrant. Moins ennuyeux. Réfléchi ou déjà au match d'avant, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été pour corriger les erreurs, et après bien sûr à partir du mardi tu bascules déjà sur ta préparation du prochain match. C'est souvent les mêmes journées veille de match. Ah ouais. Des journées un peu light où il y a un captain run, un entraînement du capitaine et après un peu des la préparation un peu individuelle. C'est un peu le jour où chacun travaille un peu ce qu'il a envie de travailler pour être prêt pour. C'est collectif bien sûr, il y a une préparation individuelle voilà, pour être prêt physiquement, mentalement, parce que ça reste un sport de combat et à gagner un match. Dans les salles de musculation, tout ça, il y a toujours des dictons un peu au mur, etc. C'est lequel le tien qui te représente ou celui que tu as en tête et qui te motive ? Celui qui est le plus gros, ouais. Forcément, les champions s'entraînent et les perdants se plaignent. Donc voilà, c'est une phrase, je pense, qui est assez grande pour la voir dans la salle tous les jours. Sur le travail, ça paie toujours. C'est important. Ouais, pour moi, c'est un peu ce qui me représente, c'est de le travail pour réussir. Et je pense que j'ai eu grâce à mon éducation familiale, on essaie de. Et le travail, que ce soit physique, technique, c'est tous les jours au quotidien. Je pense pour durer, pour forcément il y a des moments plus durs, mais je pense que si tu te, il faut pas se renfermer qu'à ça, mais en tout cas c'est une grande partie pour moi de ma réussite.